Lorsque l'on choisit quelqu'un, c'est qu'on le trouve bien. Ça vaut pour les présidents, c'est bien évident. Aujourd'hui c'est le bordel, trop de mécontents qui se demandent jusqu'à quand ils seront fidèles à Sarko. Je vais lister certains des excités. Les infirmières, les jolies fermières, les commissaires et ceux qui n'ont pas de boulot, les cuisinières et les magasinières, les ménagères et les gars des labos, les institutrices, les agents de police, et puis tous les docteurs et tous les professeurs. Les spécialistes et tous les journalistes, tous les coiffeurs, ils sont dans le malheur. Autrefois s'il arrivait pareil des amours, l'air lugubre on s'en allait, et ce pour toujours. Aujourd'hui que voulez-vous, même si Sarkozy devient peu à peu amer, c'est pas Ben Ali. Ah, Sarko, ce n'est pas le cas. Malgré toutes ces voix, les humoristes et puis les garagistes, les RMistes et tous les retraités, les buralistes, les non-capitalistes, les prothésistes et tous les charcutiers, la magistrature, les ramasseurs d'ordures, même les militaires et tous les fonctionnaires. Tu as la chance que nous soyons en France. Pour te foutre dehors, il faut un an encore. Agriculteur et ostriculteur, kiné et masseur, et puis chauffeur routier, vous acrobates, et vous les avocates, les magistrates, et vous tous les plombiers, les machinistes, et puis les scénaristes, ainsi que les artistes et les intermittents. Tous on se lève, il faut bien qu'on s'élève. Et 2012 ma foi, ça se passera pas comme ça. Et 2012 ma foi, ça se passera pas comme ça. Et 2012 ma foi, ça se passera pas comme ça.